message de saké pour vous prouver que les messages publiés par les Rwandais sur Twitter, sur les réseaux sociaux, comme quoi saké est déjà tombé dans leurs mains. C'est faux, c'est du mensonge, c'est archi faux, c'est prouvé par cette vidéo-là. Regardez. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Jimmy Choukrani, journaliste et reporter correspondant de La Voix d'Amérique à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 février 2024. La cité de saké dans le territoire de Masisi reste sous contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun élément M23 qui est arrivé à saké. La cité est sous contrôle total des forces armées de la RDC. Les M23 sont dans les hautes montagnes de Malehe, mais la cité est sous contrôle des forces armées de la RDC en collaboration avec les résistants Wazalendo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici, madame, messieurs, nous sommes sur la route nationale numéro 4. La cité est sous contrôle des forces armées de la RDC. Il n'y a aucun élément M23 dans la cité de saké. Mji wa saké u kondani ya mikono wa jeshi tawala FARDC ikishirikiana na vijana Wazalendo. Hakuna hata mwanajeshi wa M23 ambaye aliwahi ingia katika mji wa saké. Hayo ambayo watu wanaeleza sont des rumeurs. La cité de saké est sous contrôle des forces armées de la RDC. Ici nous sommes au groupement, au bureau administratif du groupement Kamuroza, comme vous pouvez le voir, madame, messieurs. C'est la cité de saké qui reste toujours sous contrôle des forces armées de la RDC, mais